Hey, salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Old World avec Rome, on est reparti. Mon objectif c'est de prendre les 5 villes qui sont là, celle-là elle est peut-être déjà occupée, et puis d'aller voir ici, normalement il devrait y avoir la mer Noire ici, donc normalement il devrait y avoir quelques villes aussi. Après dans les plaines là de mémoire sur la carte, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vais pas y aller, il doit y avoir un... De mémoire il y a un énorme trou de toute façon où il n'y a rien, donc on doit être au bord là. On doit être au bord parce que je vois tout ça. Il n'y a pas de ville. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un explorateur. Colon, ouais. Ok, colon. Et colon, ça me va jusque-là. Mais clairement, il va me falloir d'autres colons. Ce que j'aimerais, c'est un éclaireur. Tu me ferais un éclaireur, toi? Que je pourrais accélérer avec autre chose. On verra avec quoi. Hein. Terminer le semestre. Hein. C'est parti. Bien, donc l'idée, c'est vraiment d'aller choper ça. Il faudra un jour que je m'occupe de mes ressources, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de villes où j'arrive pas à mettre les ressources. Donc il faut que je lise. Aux tribus, aux familles. On peut aussi en donner aux cités pour dire leur mécontentement. Les ressources de luxe sont débloquées. Ouais, je comprends bien, mais j'arrive pas à les donner. Donc il faut que je fasse plus de tests. Ok, donc il va me taper, il m'envoie tout le monde, mais derrière, nous, on va contre-attaquer. Ça, c'était la troupe qui devait mourir, la dernière d'ailleurs. Hein. Rome, ça augmente. Déjà, tout augmente dans Rome. Donc, non, bah non, non, non. Et Tite, vous pouvez me détester tant que vous voulez. C'est hors de question que je vous donne mes trucs. Bien, ici. 6. Si j'avance, c'est 8. Donc, ça sera 8. Mais du coup, le 5 convient parfaitement. 12 d'ici. Et ben, prends-toi un joli 12. Là aussi. Alors ici. Ah non, 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 mais je pensais que t'allais mourir, excuse-moi, mais non. Où que je me mette, tu prends 8 de toute façon. Acquire guerrier. Bof. Légitimité, extension des frontières, plus 4 cases, ouais. Les traces, c'est la guerre. Les traces, ils doivent être vers là. Pour moi, c'est la guerre. On va y aller voir. Oh, ça s'est étendu les frontières là. Ça me plaît bien cette histoire. On n'a pas tout à fait tué tout le monde là quand même. Hein. T'es sérieux? Au final, il lui reste un point de vie. C'est désespérant. Bien, allons-y. Priorité aux troupes, hein, toujours. Ah, toi tu peux bouger et taber. Bah tant mieux, on a réussi à voir tout le monde. Et à prendre une route et une ville, il ne reste plus que celle-là. Et apparemment, elle n'est pas libre. Celle-là et celle-là, ouais. Très bien, ici. Je prends d'abord toujours les citoyens en premier. Ensuite, la route. Ça y est, t'as relié. Donc maintenant, tu vas venir ici. Et pourquoi non?
Ah oui, bah t'as fait une route. Ah, ça va. Pourquoi tu passes pas direct à l'unité suivante dans ce cas-là? Ah, puis après on fera une route ici. Unité suivante. Hein. L'amphithéâtre. Toi. Tu vas venir ici faire des fermes. Mais d'abord, il faut acheter deux cases pour Rome. Ça te... D'accord. C'est une action rouge. Filet. Verger. Ok, j'ai encore des points. Donc, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu d'avoir des points. Toi, tu vas arriver bientôt. Là, on a un colon, un colon. Là, je dirais qu'il m'en faut au moins 7 des colons. Donc, ouch, tout le fric qui est passé. Donc derrière, là, tu vas enchaîner sur un colon. Et on verra au prochain tour ce que l'on peut faire. L'idée, ce serait presque d'aller prendre une ville par tour, là. Celle-là, elle est tout à fait faisable au prochain tour, et peut-être même celle-là, hein. On a beaucoup de mouvements sur nos unités, elles peuvent aller très loin. C'est un gros avantage. Et les traces, là, ils doivent venir de là, hein, puisque là, on a des Grecs à gauche. Là, ou alors ils viennent de là. Mais ça, c'est pour moi, c'est la mer... Avec les droits du Bosphore, mer Noire. Affable, ouais, très bien. Très bien. T'as personne dans ta ville? Ces sauvages ne me souilleront pas. J'ai exhibé un butin. J'ai pris plein de pognon. J'ai pris plein de pognon. Là, d'un coup, je me souviens que c'était ça. Soifé de sang. Perturbateur. Fléau des chevaux. Ok. Un petit peu trop tôt. Par contre, j'irai bien voir là-bas, tiens. Ben voilà, c'est bouclé. Alors ça, par contre, c'était la surprise du chef. Ouais, j'ai pas tiré sur le bon. J'ai ripé, chef. Mais par contre, on a pris deux villes ce tour-ci. Ah oui, et on est peut-être potentiellement en train de prendre la troisième. C'est chaud. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, monsieur. Je veux pas vous déranger plus que ça. On va soigner. Et on va soigner. Ici, de préférence. Quelqu'un pour agrandir. Tiens, joli. Et terminons le semestre. Mais sur l'idée qu'on va faire ici le prochain. Un prochain truc ici. J'aimerais bien faire le musée.
Le musée centre-ville. Passe centre-ville. Passe centre-ville. Passe centre-ville. Donc, le Panthéon exige. Je peux les faire à Rome, qui est une ville sacrée. On peut le voir ici. Rome, ville sacrée du paganisme romain. Donc, on peut faire le Panthéon. Et Sainte-Sophie ici, et pas obligatoirement à côté du centre-ville. Donc là, ici, on va avoir le musée. Ici, le Cercle Maximus. Ok. Il me faut 300, je les ai, il me faut 400 arbres. Qu'est-ce que je viens de faire là? Ok. On n'a pas encore 400 arbres, mais je pourrais presque vendre un petit peu de ça là. On a 400 arbres, on a 800, on a 300, on peut le faire au prochain tour. Lui va pouvoir y aller. Excellent. Parfait. On est tout fier d'avoir 47, mais bien sûr, maintenant ils ont 60. Et pourtant, j'ai 20 qui viennent de là. Mais je suis en train de commencer à construire les bâtiments qui font. Voilà, là on a un cercle qui est en train de se faire. Ici, on a démarré un cercle. Je crois que j'ai démarré que deux cercles hein, d'ordre. Ça va être risible. Si tu me fais 3 fois 3 points de dégâts, c'est risible. Un char gratuit. Allez, cadeau. Ce n'est qu'un tour. Quoique. Est-ce que je vais me défendre autant? Je préfère une ville avec un autre. On n'a toujours pas de ressources de luxe de nourriture, donc j'ai pas de d'intérêt à faire ça. Ah, eux. Spécialistes sur euros. Ah, oh, on en a plein des spécialistes sur euros. Ferme plus 5. Mais ils ont changé. Ah, mais ça n'a rien à voir. C'était plus comme avant. Des fermes, est-ce qu'on va en faire ici? Ça me paraît un bon emplacement à ferme. Allez, go. Ok. Et on va descendre voir les traces. Hein. Est-ce que j'ai mon éclaireur qui apparaît bientôt? T'avais pas dit que je faisais un éclaireur? J'ai paumé mon éclaireur. Colon. Un éclairant en 6 tours. Go. Hop là. On a encore pas mal d'ordres. Je voudrais pas te taper en fait, je voudrais aller explorer. Ah, ouch. Alors attends, je reviens. Je vais changer d'avis. Je change d'avis, ça peut arriver à n'importe qui de changer d'avis.
Rendre le garçon aux Gaulois. J'adopte quelqu'un, non. Donc dans tous les cas, il m'aime pas. Là, je fais des trucs qui me permettraient de faire des monuments. Même comment les Gaulois? J'aimerais qu'ils continuent à m'aimer un petit peu, ils m'adorent. Il me fout qu'ils m'aiment pas. Plus un citoyen à Rome, pour l'instant on n'est pas pressé. C'est bien ça. Ok. Du coup ici. On va descendre. Là, on va soigner. Mais est-ce qu'on va bouger d'abord? On va se soigner. Je t'ai oublié, toi. Là, on a un emplacement, mais j'ai l'impression que personne n'est prêt pour venir me voler mon emplacement. Donc, techniquement, je vais venir me soigner ici. Et demander à lui d'aller là-bas. On va les envoyer au combat de toute façon, hein, ces trucs-là. Ok, on a plus que 4 mouvements. Franchement, c'est pas beaucoup. On va utiliser des points pour faire autre chose. Ah bah voilà, j'ai mon scout. Excellent. Ça y est, on a mis les choses au propre là pour le coup. Nouvelle arena de série. Ah, donc là on a caserne, donc là ça doit être tir à l'arc. Et donc ici il attend qu'on vienne faire un tir à l'arc. J'ai pas d'ordre, ça se trouve les ordres. Très bien, j'en rachèterai. Non, je vais pas en racheter. Avec l'explorateur on aura déjà beaucoup moins d'ordres. Là, je viens de voir que j'en ai lancé un autre. Pas grave, ils ont une tendance à mourir, les... Donc, on a pris tous les emplacements de cité, mais on n'a pas tué les sites. Ah, il y a encore une troupe là. Mais ils me font super mal là. C'est pas des vrais barbares. Les Thraces, c'est un vrai pays? Non? Bah alors? Baliste ou Herse. À la baliste, je crois que je vais faire une croix dessus. Qu'est-ce que tu me proposes de faire? Un moulin à vent. Alors, les moulins à vent, moi je suis pas contre que t'en fasses, mais c'est dans les zones de Syrie que c'était prévu. T'es un peu loin quand même, tu pourrais venir faire d'autres choses ailleurs. Comme. Bah tiens là. Non, on n'est pas encore au dernier niveau, tu peux pas venir faire la forteresse. Ici, il y a plein de fermes à faire. Ou des routes. On avait une route là à faire, ici. On avait dit qu'on la ferait ici. Toi, on avait dit que t'achèterais la case. Toi, tu peux continuer le boulot. Donc maintenant, ici, tu veux faire une garnison. Sauf que là, il y a la forteresse. Donc, à mon avis, ça va être une caserne ici. Ou un chantier, au choix. Oh, merci beaucoup. Promouvoir. Combat. Le musée. Il a tout compris. Alors là, effectivement, il va falloir que tu fasses un petit... T'as pas de citoyen. Parce que tu es en train de faire un colon. Ouais, donc il va falloir que tu patientes et tu vas aller faire une ferme ici. Ici, il faut faire le grenier à grains. Non, pas du tout, le moulin à eau. Voilà, qui va faire plein de bois.
Ici, toi, tu voulais faire une garnison, mais ça me paraît pas un bon emplacement. C'est quel type de ville? C'est pas une ville combattante. Ça, c'est une ville combattante. Est-ce que j'ai une zone garnison que je pourrais installer? Y a rien de spécial ici, là-dedans. C'est quoi ça? Un grenier à grains ici? Non. Y a rien ici. Et là, c'est citadin. Donc, je pourrais commencer à faire ma garnison ici, en fait. Très bien. Continuons. Ah, je te tiens. Ah, des citins. Ok. Eh ben, on en sait plus sur tout ça maintenant. Ok. On a probablement assez de troupes quand même là pour prendre tout ce qu'ils ont ramené. Hein. A priori, ils ont plus que deux forces déjà. Après, on a le site qui est là, donc une ville probablement ici. Ça ressemble à pas Trébizonde, Trébizonde sévère ici, mais zut là, la Crimée. C'est la Crimée. Voilà. Alors, continuons. Qu'est-ce que tu me proposes? Archive. Un poète aîné, bien sûr. C'est-à-dire la production à Syracuse. Eh ben, un pêcheur a grandi dans la religion. Non, il devrait suivre la religion d'État. Réunira après moi qui? Mais bien sûr qu'il exclut la succession. Votre fils, votre héritier. Non? Si, c'est mon héritier. Ah, attends, dis-moi là, parce que là j'étais perturbé par la jeune fille. Bah, évidemment que c'est mon héritier. Ça pourrait être la duchesse Trucidia. Tu voudrais que ce soit qui? En fait, c'était quoi ta question? Bah déjà, il va étudier la philosophie. Ajouter 4 courtisans. Pas trop envie de ses ambitions. C'est vrai qu'exclu de la succession, ça paraît logique. Quatrième héritier. Avec l'exclu de la succession. Comme ça, c'est des filles qui vont hériter. Donc, toujours première à votre héritière et seconde héritière. Terminons notre semestre. On est parti chercher la herse. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Peut-être pas grand-chose, hein. Alors, toute cette zone, j'avais pas forcément prévu de coloniser à la base, hein. C'est les Scythes qui m'ont attaqué alors que les Danums proposaient la paix. Bon, bah, on y a été, hein. Toute cette zone, il va quand même falloir la relier par des routes, hein, et essayer de. De me lier au code juridique religieux. Loi gratique, code juridique.
D'accord, explique-moi le code juridique, c'est quoi comme loi? Code juridique, c'est ici, ou droit divin. Ah, toutes les cités avec un sanctuaire plus 1. Plus 10 par semestre, par loi active. Ouch! Et entretien, ordre moyen, 3 ordres par semestre. C'est pas méchant comme entretien. Hein. Et ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. J'aime bien ton code juridique. Le droit divin peut adapter des religions d'État païennes. Ne m'intéresse pas plus que ça. Et ça coûte très cher. Et toutes les cités avec un sanctuaire plus un. Ouais, mais on est bien en... Finalement. On y reviendra tout de suite. Ah, lui, il a pris des dégâts. Bien, alors, on va aller prendre leur ville, hein. Mais Rome passe avant. Du bois. Ah, oh, c'est bien ça, du bois. Une Rome gagne spectacle culturel. Ah, c'est très très bon. Très 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 bon. Coucou, coucou. Toi, tu vas aller te reposer là-bas. Par contre, t'as pas le bon logo. Ah non, reviens. Parce qu'en fait, tu as le bon logo pour devenir le définitivement un habitant du coin. Ah! Je vous ai trouvé. Ah, vous aussi, je vous ai trouvé. Ok. Bien, là on a deux emplacements. Voyons si on a des colons. Genre ce truc-là. J'aimerais bien aller coloniser ça en premier. Ok, je me sens pas en danger, je vais rester comme ça. Faut fermer les passages. Ici, ça va être chaud. On va voir ce qu'on peut faire. Si ici on peut, avec un ouvrier, il faudrait venir ici et agrandir encore. Bon, après la Grèce, je vois pas comment elle pourrait s'étendre. Ah si, elle peut s'étendre là. Elle peut venir choper ça et prendre toute la zone là. Bon, après, est-ce que c'est un drame? On a tout, on a le reste du monde. On lui prendra sa ville bien assez tôt. Ajouter route. Ok. Un forum. Terminer le semestre. On a pris 5 villes, là où moi je m'attendais à en prendre peut-être que 4 sur les trucs. Alors, on a un emplacement là qui est libre, il faudrait quand même... Ça me chagrine. Je vais y envoyer lui hein, rapidement. Allez. On n'a pas pris 5 villes, on a pris 6 villes au total. 1, 2, 3, 4. 6 là, théorique. Avec ça. Et peut-être même 7 si on arrive à passer là. Alors d'autant plus que si la carte est bien faite, ici, ça ne joint pas. Donc c'est compliqué d'attaquer pour des gens qui viennent de là. En tout cas, en masse. Très bien, ouais, ça me va. Surtout les 1 point de dégâts, j'aime quand vous m'attaquez dans la forêt. Les archers, ça tue le truc. La scierie est éliminée. Bon, bah ça c'est fait. Comme on dit par chez nous, soldats avec masse. Disparaît si on ne prend pas. Alors on y va. Je vais laisser un nouveau gouverneur, non. Là.
On va se faire un ouvrier ici. Il me faut des colons là. Un, deux. J'ai plus que deux colons en attente et j'ai deux villes là, certes. Mais j'ai trois bonhommes là. Trois emplacements, quatre emplacements. Il me faudrait deux colons de plus. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me faire un colon? Toi, j'ai changé d'avis. Hein. Je sais bien que tu as fait un ouvrier, un éclaireur, mais... Oui. Lance un colon. Et toi, du coup, lance un colon. On n'est pas à 2 minutes près. Voilà, allons-y. Vous avez pas un peu perdu toutes vos unités là? Alors toi, tu as un carré, tu pourrais venir ici et devenir définitivement le vigile. J'aime mieux comme ça. Ok, il vient prendre les ressources. Il est sûrement pas en train de construire quelque chose. Ouais, ça va se faire avec des archers, hein, l'éléphant. On verra plus tard. Ah, j'ai l'explorateur. Finalement, j'aimerais bien bouger mon explorateur régulièrement maintenant. Inferme. Non, reviens. Un fermier ici, ça... Il y a une ville là? Ah! Tout ça appartient à une ville. Je croyais que c'était vide. Mais non, ça appartient à une ville. Ok. Donc, il n'y a personne qui apporte quoi que ce soit. Ben, un éleveur, c'est quand même bien ici. Ici, est-ce qu'on peut agrandir? Oui. J'ai pas de citoyen. Donc, un petit forum. Ah, les douves. Ok. Alors là, clairement. Mission divine, Carthage est prudente, financée. Et Carthage nous adorerait. Ouais. On commençait à développer des relations amicales. Il y a eu un temps pour ces relations à organiser une session de prière commune aux deux religions. On a invité les représentants afin d'y enseigner leur foi. Telle coopération peut généralement nous apprendre des meilleures manières. Les clercs sont un merveilleux exemple pour tous les Romains. Ok. Ouais. Je vais participer à un dialogue interreligieux. Non, par contre, ça, ouais, je prends. Ah! Un petit bonhomme. Le petit bonhomme, moi je l'enverrais bien là-bas en fait, en vrai. Encore un colon, deux colons. Pour trois villes, quatre colons, cinq colons. J'ai un colon de trop en fait. Donc ici, vous voyez. Bien! Ajouter la route. Là, on peut faire le moulin à eau, ça a déjà été fait. Tu voudrais faire un truc ici? Je préférerais largement qu'il fasse l'Odéon, tiens. Ici, tu peux venir faire une ferme. Là, on a fait la route. Dans l'idéal, on va la continuer un petit peu vers là. Ah, je peux acheter la case. C'est rigolo. Non, mais par contre, je viens de me rendre compte que je peux aller là-bas. Et tu veux une mine? Toi, tu vas venir là-bas pour faire la route. Unité suivante. Hein. Hop, hein. Encore unité suivante.
On a commencé quoi là? À Brindisium, on vient de faire un champ de tir, donc on est en train de faire un cercle là. Donc à côté du champ de tir, c'est la forteresse normalement, ouais, tout à fait. J'ai pas les actions. Je vais revenir à penser à pour pouvoir la refaire ici. Pour avoir le meilleur focus, le meilleur nombre d'ordres donnés en fait. Hein. Bon, bah on va s'arrêter là. Donc je vais en profiter pour vous présenter le truc hein, ici. Donc ça bénéficie normalement. Alors voyons, comment est-ce que je peux faire pour les voir? Il faudra un truc qui glande. Tiens, là, il glande. Donc, allons-y. La garnison. La garnison donne 0,6, 0,5 par semestre, plus 20% par caserne adjacente. Ou champ de tir adjacent. C'est marqué hein, en dessous, bonus potentiel. Donc, il faut avoir un maximum de casernes et de champs de tir. Donc, en général, je fais un hexagone où je mets les trois. Parce que garnison, forteresse et fort, c'est la même chose. Si vous regardez ici. Ici, vous avez la forteresse. Elle a plus 0,5 et elle a plus 20% par caserne et par champ de tir avoisinant. Et elle a la citadelle, c'est la même chose, plus 0,5, plus des trucs par champ de tir, caserne et champ de tir avoisinant. Le champ de tir, 20%, je crois qu'ils n'ont pas de bonus d'être à côté de les uns des autres. Hein. Plus 20%, semestre. 20% pour les aménagements de classe, garnison adjacent. Ouais, donc voilà. Eux, ils n'ont pas besoin d'être à côté les uns des autres. Donc, on fait vraiment garnison, forteresse et citadelle en triangle en mettant au centre un champ de tir ou une caserne au hasard. On s'en fout. Et puis, bah, dans le haut triangle, on met à nouveau. Comme ça, ils touchent chacun trois trucs. Alors, en théorie, dans l'idéal, comme on peut en mettre 4 dans le vide, on pourra en mettre un qui soit encerclé par 4. Mais le suivant serait du coup encerclé par 2 et le suivant par 2. Maximum. Pas possibilité de faire mieux. Auquel cas, eh ben, on aurait 8 bonus. Donc l'hexagone est la meilleure façon, selon moi, je pense, hein, je crois, je suis presque sûr, de fermer tout ça. C'est con qu'il ait eu les chevaux là. Allez, je vous remercie. Puis là, il a eu tous les chevaux, lui, c'est vraiment dégueu. Et là, ah là là. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite.